Géométrie Dash. En vrai, ça doit peut-être vous saouler que je fasse tout le temps des intros romancées comme ça dans toutes mes vidéos. Le concept de cette vidéo, il est assez particulier, et peut-être qu'il lancera une nouvelle série sur ma chaîne, même s'il faudrait quand même que je finisse l'aventure V2, vous inquiétez pas, ça arrivera très bientôt. Probablement déjà des youtubeurs Géométrie Dash qui l'ont fait, c'est le One Try Challenge. Alors, en quoi ça consiste? Eh bah écoutez, c'est dans le titre. Je vais devoir jouer à plein de easy démons avec un seul try autorisé par niveau. Sauf que évidemment, je n'ai pas envie juste de refaire le même concept que quelque autre youtubeur américain ou français dont je n'ai pas le nom parce que je suis pas allé voir. Donc on va rajouter une petite subtilité. La note. Alors qu'est-ce que c'est la note? Quand je vais jouer à un niveau, le pourcentage auquel je vais mourir après mon premier essai correspondra à une note sur 10. On va prendre un exemple très simple. Si je fais 50% du premier coup sur un niveau easy démon, ça risque pas d'arriver, hein, je vous le préviens. J'aurai donc 5 sur 10. 15%, 1,5 sur 10, vous avez compris l'idée, ok? Et à la fin, je calculerai la moyenne générale et on verra la catastrophe de ma note à la fin de cette vidéo. Et si ça vous plaît, je ferai ça pour d'autres difficultés, peut-être plus dures, peut-être moins dures, à voir. C'est ce que vous me proposerez dans les commentaires. N'attendons pas plus longtemps, bienvenue sur Géométrie Dash, nouvelle vidéo. On va aller dans les weekly, qu'on va aller dans la nouvelle fonctionnalité offerte par la 2.2, celle-là, et on a accès... Alors ça, c'est le 1er avril, je suppose? Ça a vraiment marché. On ne jouera pas aux extrêmes démons, on va faire que des easy démons, d'accord? Peut-être une vidéo sur les extrêmes démons, même si je pense que ce sera pas très intéressant pour vous. Enfin bref. On va commencer par Rusted Worlds. Je dois avoir une cinquantaine de tries. Voilà, 67. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Géométrie Dash. Allez, c'est parti. Je vais essayer de me concentrer parce que... j'ai un seul essai. Ah ouais, c'est level avec ces timings de merde. 13%. En vrai, ça va pour un premier essai sur un easy démon, en prenant en compte le niveau exécrable que je propose sur Géométrie Dash. Si vous voulez du vrai level, allez voir Spag, allez voir Fiepsi, allez voir Dipzou. Ici, on est là pour rigoler. 13%, 1,3 sur 10. Vous avez compris, on va faire congrégation. C'est faux, on va faire warehouse. C'est parti. Lui, je le connais pas pour le coup. Mais je vois pas aussi. Je rends tellement pas honneur au level, c'est abusé par contre. Bon bah 3%, hein. C'est des easy démons, c'est pas des insane démons, je peux faire plus que 3%, oh là là. Erratique. Oh. Putain. N'hésitez pas à faire ce petit jeu de votre côté et de me narguer dans les commentaires en disant que vous avez fait 70% de moyenne générale. Ça va beaucoup m'énerver, ça va très bien marcher. Lockdown, je n'ai jamais joué à ce level de toute ma vie. S'il te plaît, chill. Non, 10%. Oh shit. Non, 32%. Les gars, c'est propre. Espionnage. Oh, je me suis... Ah si, ça me parle, c'est bon. Bon bah, au revoir. Au revoir. J'ai pas vu les pics. Not my style. C'est Alexis Ver qui m'avait parlé de ce niveau vite fait, que je déteste. Ah voilà, je déteste. Ah oui, j'avais oublié. Abonnez-vous s'il vous plaît. Je fais des vidéos, j'aime bien. Et si les gens s'abonnent, bah j'aime un peu plus encore. Merci. Je n'ai pas compris. Et je n'ai pas vu mes pourcentages. Ah, quand on voit où est-ce qu'on peut, on doit cliquer, c'est bien. C'est bien. Prenez exemple. Le drop. Un. Quoi? Quoi? C'est gratuit, ça. C'est gratuit. Désolation. Le drop. Allez, pourcentage. Waouh. Waouh. Tectonic tempo. Oh non. Oh non, je l'ai déjà vu ce level. Et je vais mourir au premier pourcent. Oh, je pensais pas qu'il était lent au début. Je pensais que ça partait tout de suite. Ok. Oh non! Oxidize, on voit que dalle! Ah, j'ai pas vu les pics! I'm dead! I'm dead. Hey, mais tu vas... Oh, j'ai pas vu! What is reality? I don't know! Ah bah, je sais bien sûr que no one can say it!
Ah, j'ai survécu. Reality is overthinker, ok. Yeah, new best. Il avait l'air bien ce level aussi, hein. Bon, on le retestera pas. Au revoir. Plunder et Petal Patch, je les connais, je les ai déjà finis. Bah écoutez, on va les faire, ce sera des petits bonus. Ça se trouve, je vais me faire one tap. Wouh! J'avais oublié le boss fight, je suis désolé, pardon. Petal Patch, faut pas que je fasse de la D. Je l'ai fini ce level! Je l'ai fini ce level! Oh. Glorious Fortress? J'aime beaucoup. Oh. Ah, mais si, c'est le level. Si Spag a fait une vidéo dessus. Non, pourquoi je me mets à parler? Celui-là me fait peur. Il m'a eu psychologiquement. Oh, il y a une clé! On est dans Limbo ou quoi? Je suis peut-être un peu erratique. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Geometry Dash. 4. Ouais, bah 4, c'est même pas le nombre de pourcents que j'ai fait sur ce putain de level. Ah! Je comprends rien! Il est beau le level. Quoi? 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 Non, par contre, il est beau, mais revoyez les obstacles. On les voit pas, les obstacles. Speedway, oh non, s'il te plaît, pitié, ça part pas d'un coup, super vite. J'aurais préféré que ça parte vite. Cyberspace, je suis intrigué par ce niveau. Bah, on n'en verra pas plus. Blast Processed. Quand ça va vite, je peux pas first try. Pourquoi ils comprennent pas ça, les gens? Oui, c'est moi qui ai eu l'idée de ce concept. C'est vrai, c'est vrai. On n'en parle plus. Stunning Light. J'adore la DR, elle est incroyable. Je suis heureux d'être allé au drop. 36%. J'ai jamais fait aussi bien, je crois. Mais ce niveau, il a l'air incroyable. Radiant Rift. J'ai fait un arrêt cardiaque. J'adore. J'adore. Il est incroyable. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, il y avait une orbe bleue dans le portail bleu. Je suis dégoûté parce que ce niveau, j'ai eu un coup de foudre. Je crois que ce level, je l'ai vu sur un live de Spag il y a un petit moment. Ah, lui aussi, il est fou. Hein. De toute façon, les weekly, je suis sûr de tomber sur de la bonne qualité. Ça, c'est bien. Oh non! J'ai cliqué deux fois comme un fils de chien avec la balle. Le créateur a eu l'amabilité de me dire « Écoute-moi bien, tu es bête de cliquer pour rien, je te remets à l'endroit. » Et je suis mort juste après, premier obstacle. Montrer les pieds quand il y a des obstacles. Il y en a un seul. C'est Stereo Madness, le truc. Mais si on le voit pas, on le voit pas, c'est tout. Les blind jump, c'est pas le bon moment pour me faire des blind jump. Colorado. Arrêtez avec les blind jump. J'ai dû faire saturer, je pense. Bah voilà, ça c'est bien. C'est pas du tout un easy démon, mais c'est bien. Elle est en train de se faire écrabouiller ma moyenne, ok? J'aurais même pas 1 sur 10. Alors non, c'est un XL. Non! J'ai cru que ça, là, c'était pas une plateforme. Et j'ai cru que les plateformes, c'était les trucs bleus, là. Oh. Metal m'a dit, je sais que je vais me faire anéantir. Voilà. Ioning, c'est un rapport avec le youtubeur ou... Je pense. Time to kick ass. Ouais. Non! Je voulais tellement voir. C'est tellement dur. Donc le truc était la difficulté easy dès le début. J'ai fait le malin. Le premier truc, un poil plus dur mais pas trop, un triple spike. C'est classique. Je le prends pleine tête. Non. Oh, change of scene. On va finir par le meilleur, bien sûr. Change of scene. J'ai trop peur pour le coup.
Quoi? Je suis mort comment? Je me suis mangé la queue du dragon là? C'est un peu humiliant quand même. Je vais faire la moyenne du coup. Vous faites la somme de tous vos pourcentages si vous voulez calculer votre moyenne et vous les divisez par le nombre de niveaux que vous avez fait. Plus 26, plus 7, divisé par 41, 11,7% de moyenne générale, soit 1,17 sur 10. Ça fait un peu mal. N'hésitez pas à tester de votre côté, essayer de battre mon record. Ça doit pas être très compliqué. J'ai adoré faire ça, voilà. Donc l'occasion pour moi de faire d'autres épisodes si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Allez, bye!